Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Je suis Leïla pour Chien Ludique et aujourd'hui je vais vous parler motivation et coach. Alors, je me disais que le chien, c'était un peu le meilleur des coachs, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais le chien ce n'est pas un objet, c'est un animal sociable, un véritable partenaire finalement quand on vit avec. Et finalement, si on retournait un peu le paradigme du fait que le chien c'est mon chien, c'est un peu mon animal, voilà. C'était plus que ça, c'était plus que juste un animal de compagnie qui représente des factures vétérinaires impossibles, des désagréments olfactifs quand il a plu, ce genre de choses. Et si c'était plus que ça, et si le chien m'aidait moi à devenir meilleur? Imaginez, ça y est, l'automne est là, l'hiver arrive, la météo se dégrade, il fait un temps dégueulasse dehors, il fait nuit tôt, il pleut, il mouille. Pourquoi on sortirait? Pourquoi, hein, alors qu'il fait moche, et on est si bien au chaud? Ou alors, imaginez encore, vous êtes fatigué, ou vous avez la goutte au nez, vous mouchez, hein, vous avez des courbatures, vous êtes bien malade finalement, la journée de travail est finie, canapé vous appelle, et il faut encore vous sortir le chien, là? Alors, on n'est pas en forme? Mais il y en a un qui ne se pose pas toutes ces questions, c'est votre coach personnel, celui qui doit sortir par tous les temps, qu'apporte votre humeur, votre santé, votre énergie. Car le chien a des besoins. Bien sûr, faites un jeu de mots, hein, il a des besoins fondamentaux, il doit faire ses besoins aussi. Haha. Quand vous avez pris votre chien, vous le saviez, hein, il allait falloir lui consacrer du temps, un temps incompressible. On peut pas faire des réserves de balade, on peut pas accumuler des heures de promenade le dimanche pour ensuite les diffuser gentiment toute la semaine. Non, un chien doit faire ses besoins 3 fois par jour au minimum. Bien sûr, lui, il vous dira qu'il peut sortir plus souvent, hein, c'est pas un problème, hein. Et il doit aussi bénéficier de au moins 45 minutes de jeu, de défoulade, d'exercice, on va dire du temps relationnel de qualité avec vous. Là encore, un minimum. Certaines races exigent d'ailleurs beaucoup plus, hein, comme les huskies par exemple, qui sont des vrais goinfres de ce côté-là, qui ont vraiment besoin de dépenses physiques, mentales, comme les border collies, voilà. Et des races comme ça. Mais bref, à votre rythme, avec votre chien, vous avez pris de nouvelles habitudes de vie, se lever plus tôt le matin, investir dans des pottes de pluie par exemple, un coupe-vent, repérer les coins où vous pouvez lâcher le chien, mettre en place des apprentissages, que ce soit des choses très simples comme la marche en laisse, le rappel, ou des choses un petit peu plus subtiles comme accepter d'aller au canicite, jouer à la balle, rapporter, ne pas manger tout ce qui traîne, bien d'autres choses encore, voilà. Et finalement, combien de kilomètres faites-vous avec votre chien chaque semaine, hein? Est-ce que vous avez déjà compté? Ceux qui jouent à Pokémon Go à côté, mais ce sont des petits joueurs. Mais voilà, si au départ, vous étiez aux petits soins avec votre chien, que vous faisiez attention à sortir souvent, à lui procurer les temps de détente nécessaires, peut-être, je dis pas peut-être, que des fois, vous en avez eu marre. Et ceux qui me disent « Ah non, hein, pas du tout. Moi, j'adore sortir quand je fais moins 15 et qu'il y a du verglas. D'ailleurs, mon moment préféré, c'est quand je dois lui laver les pattes parce qu'on a marché dans du sel et qu'ensuite, je passe 20 minutes à laver la baignoire et le sol parce qu'on dirait que je vis dans un squat de punk à chien, rien qu'à l'odeur. » Vous mentez? On le sait que vous mentez. Ou si vous mentez pas, franchement, bravo, mais vous représentez quoi? 0,1% de nous autres, maîtres normaux, qui n'aimons pas faire ça. Mais en tout cas, il arrive à tout le monde d'en avoir marre, de vouloir un jour prendre un jour de repos, voilà, de pouvoir rester au lit quand on est malade, de pas sortir, juste qu'on nous fiche la paix, de rester en pyjama. Mais non, avec un chien, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que cette question-là, on se la pose pas. Tiens, est-ce que je sors avec le chien aujourd'hui? Non, c'est même pas une question en fait, hein. Sauf que les problèmes de motivation, justement, dont je voulais parler, viennent d'abord quand on se questionne. Quand on se dit qu'on pourrait négocier. Hein, c'est bien connu, c'est le premier pas qui coûte. Prendre une décision. Lancer l'action, c'est ça qui pose problème. Une fois qu'on est dans l'action, ça va beaucoup mieux. C'est la négociation avec soi-même qui nous fatigue. Ah oui, mais en fait, je pourrais plutôt faire comme ça, ou comme si... ah bah tiens, je pourrais le sortir après le repas du soir, je prends une douche avant... Voilà. On repousse l'inévitable, finalement, et du coup on fait les choses pas si bien que ça, et on culpabilise. Non seulement c'est pénible à faire, mais en plus on culpabilise de pas avoir fait bien. Donc c'est n'importe quoi. Et le chien, lui, il ne pense pas à faire au mieux. Il pense pas à négocier. Il accepte les choses telles qu'elles sont. C'est un stoïque. Au sens, il accepte les choses comme elles sont. Il cherche pas à négocier. Pour lui, c'est l'ordre naturel. Voilà. Eh bien, c'est à nous de nous inspirer du chien. C'est à nous de nous inspirer de son attitude excellente. Ne pas négocier, hein, mais juste faire ce qui doit être fait. C'est là que vient le coaching. Finalement, le coach, c'est pas quelqu'un qui est là pour nous faire plaisir, hein. Il est là pour nous pousser hors de notre zone de confort quand nous on n'y arrive pas tout seul.
Alors, il est dans le... J'allais dire dans la menace. Voilà, il pique hein, quand il faut piquer. Il récompense quand il faut récompenser. Est-ce que vous avez déjà joué avec votre chien ? Oui, c'est une question rhétorique. Hein. Évidemment, vous avez déjà joué avec votre chien. Enfin, si c'est pas le cas, il faut arrêter d'écouter ce podcast. Je vous y autorise. Et puis, il faut prendre votre chien et sortir jouer avec lui. C'est important. Non, mais vous avez sans doute déjà joué avec votre chien. Et vous avez sans doute déjà ressenti toute cette joie, l'envie de jeu qu'envoie le chien, hein, et le plaisir qu'on a à le regarder courir comme un dingue. Eh ben, tout ça, ce sont nos neurones miroirs qui sont en cause. Alors, les neurones miroirs, alors, je vous rassure, on ne part pas dans la neuroscience tout de suite, mais je vais faire un petite explication simple, parce que moi-même, hein, je suis très, enfin, je connais que en surface. Hein, voilà, il faut aller sur, je sais pas, Science et Avenir pour avoir de vraies explications scientifiques. Mais ce que j'en ai compris, c'est que ce sont des neurones qui nous servent à l'apprentissage et à l'empathie. Et c'est des neurones qui sont présents chez énormément d'animaux. Je ne pourrais pas dire presque tous, parce qu'en fait, comme dit, je connais que la surface des choses, mais chez la plupart des animaux, on va dire des mammifères, des animaux qui nous sont proches, on les a constatés. Donc, en gros, les neurones miroirs, voilà comment ils fonctionnent. Quand nous voyons quelque chose, ils font croire au cerveau qu'on le vit, qu'on vit ce qu'on voit. Par exemple, quand quelqu'un se casse la figure dans la rue et qu'on fait « Aïe, ouh, ça fait mal !» Ça, c'est les neurones miroirs. Quand on aime regarder le sport à la télé et qu'on est à fond dans un match, pour ceux qui aiment ça, on se sent franchement impliqué et tout ça, eh ben, ce sont les neurones miroirs. Quand on baille parce que quelqu'un baille en face, encore une fois, c'est les neurones miroirs. Quand on se fait contaminer par les émotions des autres, quand on voit quelqu'un qui est très très joyeux, ou très très triste, quelqu'un qui ressent de la colère, on va avoir tendance à se faire, à se sentir impliqué par ses émotions, soit qu'on va être triste avec la personne qui est triste, ou alors si quelqu'un vient nous engueuler, ben, paf, tout d'un coup, on se retrouve aussi en colère très rapidement. Tout ça, c'est le neurone miroir. Il nous aide à comprendre, en fait, à nous mettre dans l'état dans lequel est la personne en face. Et ça marche, évidemment, d'humain à humain et d'humain à animaux. Et le chien, il est très très fort pour ça. Il cherche sans arrêt à communiquer avec nous. Évidemment, il n'a pas la parole, mais il se débrouille très très bien avec tout le reste. Que ce soit les expressions faciales, hein, il a plein de muscles dans le visage et il sait s'en servir, il sait faire des expressions faciales. Les attitudes corporelles, le regard qu'il peut avoir. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que le chien ne va pas cogiter, il va pas gamberger. Il est vite heureux pour rien. Alors, nous, on peut trouver ça très simpliste, très bête, mais finalement, un chien n'est pas dépressif. Ça arrive très rarement que les chiens soient dépressifs. Alors, ça peut arriver, mais pas au sens où nous, on l'entend. C'est pas de la dépression comme la maladie mentale que nous, on a. Et par contre, toute cette joie, eh ben, il va le communiquer très très vite, très très fort. C'est un animal sociable, il communique ça. Par exemple, il suffit, si vous avez un chien qui est un peu beau, pas envie de sortir, il suffit de prendre un jouet, de l'agiter devant lui, commencer à l'exciter un petit peu, et paf, il est à fond. Il est à fond, investi, il y a que ça qui compte, et il est trop content. C'est pas pour rien que finalement qu'on utilise beaucoup le chien dans la médiation animale, hein. J'en ai déjà parlé, parce que justement, ce chien, il va pas être dans le jugement, dans la parole, dans le machin, il va être dans l'action, il va être dans la relation tout de suite. Donc le chien va transmettre que du positif. Même si vous avez des soucis avec la marche en laisse, ou le rappel, et que du coup les sorties, y a encore cette teinte-là de « Oh, il y a l'apprentissage, oh, c'est pas encore automatique, etc. » Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler, avec de l'aide ou seul, et vous pouvez avoir des résultats, et même assez rapidement. Et finalement, le chien ne va pas vous déprimer, il va pas vous juger, mais il va toujours vous récompenser par de l'énergie pure qu'il va vous envoyer. Et cette énergie, vous pouvez apprendre justement à déclencher chez votre chien et vous à la bien la recevoir. Notamment, petit A, en bougeant plus, donc pour donner à votre chien les sorties qui sont indispensables à son bien-être, ben, à vous aussi vous donnez ces bols d'air, vous empêchez en fait de végéter, de rester comme un légume sur votre canapé. Ça vous pousse à sortir. Et à chaque fois que vous croyez que vous n'arrivez pas à sortir, vous sortez quand même et tout ça, ça s'imprime dans votre cerveau. Vous êtes allé plus loin aujourd'hui, vous avez fait plus aujourd'hui, donc ce sera de plus en plus facile. Mais aussi en petit b, en déplaçant votre curseur sur votre chien plutôt que sur vous. Ce n'est plus vous qui êtes au centre, là c'est le temps du chien, c'est l'activité du chien, c'est lui qui est au centre. Alors c'est plus facile de prendre soin de quelque chose d'autre que soi, surtout quand c'est un petit animal qu'on aime, que de soi-même, ce qui est un petit peu triste dit comme ça, mais là c'est positif. Quand on voit les choses de l'extérieur, on voit le chien, on se dit voilà, il a des besoins à combler, je comble ses besoins, on est heureux, on sait, on a bien agi pour lui, on a fait ça bien, et on est récompensé par le fait qu'on voit que le chien est bien. Tout ça, ce sont des vraies opportunités pour se recharger.
quand on n'en peut plus, c'est ça, prévoir un parcours ou un jeu différent pour sortir de la routine. Se récompenser quand on est sorti et que c'était particulièrement dur. On peut se dire, ah c'est bien, franchement, je pensais pas que j'allais le faire. J'ai fait vraiment un tour qui était vraiment bien. Là, je suis trempée, je prends une douche, mais je suis content parce que j'ai fait ce qu'il fallait. C'est vraiment bien. Et si jamais c'est trop compliqué, si jamais c'est trop dur, vous pouvez combiner ça avec d'autres activités, d'autres machins pour vous récompenser en plus de côté. Par exemple, ça peut paraître très très bête, hein, mais Pokémon Go. Pokémon Go, si vous êtes un peu dans les jeux, etc., ça marche super bien quand on doit faire des promenades avec les chiens en hiver, et qu'il faut marcher longtemps, surtout quand on est en ville, et qu'on doit marcher plus parce que, par exemple, on peut pas lâcher le chien autant qu'on veut, etc. Et ben finalement, le jeu te récompense. Le jeu, il te dit, voilà, tu as parcouru tant de kilomètres, tu as fait éclore des œufs, tu as récolté des bonbons, blablabla. Et ça, c'est un truc que les jeux savent faire. Et je pense qu'il faudrait créer une application. Si ça se trouve, ça existe, il faudrait que je regarde. Mais une application pour mettre, quand on sort son chien, on met comme un podomètre, on calcule, et nous dit combien de calories on a brûlé, à partir de quel stade on peut rentrer, parce que c'est bien, on a bien bossé. Je suis sûre que ça aurait de l'avenir. Voilà, c'était un petit podcast tout court pour parler un peu de la motivation, parce que là, en ce moment, on en a besoin. Là, c'est au moment où je fais ce podcast, il fait très très froid, on est dans les températures négatives, il y a beaucoup de givre, et en plus, il fait nuit, donc c'est difficile de sortir le chien. Alors moi, personnellement, j'utilise plein de trucs, hein. J'ai des colliers fluorescents, je cherche les coins où il y a encore des lampadaires et de l'herbe pour pouvoir jouer à la balle et ne pas la perdre. Je songe sérieusement à investir dans les balles lumineuses, même si j'ai toujours trouvé ça stupide. Mais voilà, il faut trouver des petits trucs comme ça qui nous motivent. Et quand on a envie d'en faire le moins, se dire qu'on va essayer d'en faire le plus. Parce que finalement, on revient, on est satisfait, on est content de soi, et ça n'a vraiment pas de prix. Et pour ça, je remercie les chiens de ne pas me laisser végéter en hiver, de me forcer à me bouger et à sortir. Et c'est la plus belle chose que peuvent nous offrir les chiens, c'est de nous dépasser nous-mêmes pour eux et aussi pour nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou un très bon début de journée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être sur le blog ou ailleurs. Bye bye!